Bonjour, bonsoir, bonne nuit pour les no-life. Deuxième vidéo de sur Sonic Adventure DX hein, pour ce qui est des hacks de Sonic Hacking Contest. Alors cette fois c'est une mode un peu plus simple, on va dire, qu'on va tester. Dont on n'en voit pas les effets là pour l'instant. Même si je me dis que ça aurait pu. Mais on va voir ça tout de suite. Alors donc c'est le Mirror Mode. À la limite on peut tester en mode Adventure dans un premier temps. Pour voir si ça marche aussi bien dans le dans le mode Adventure Field que les niveaux en eux-mêmes. Alors je pense que du coup je vais pas passer beaucoup de temps sur cette vidéo là, surtout que sur la précédente j'ai passé pas mal d'heures, hein, je sais pas encore combien de temps fera la vidéo finale. Avec toutes les parties assemblées bien sûr. Et d'ailleurs j'ai... Ah oui alors du coup... Ah bah voilà, preuve que ça marche parce que pour aller à l'hôtel là avec la plage et tout le bordel c'est par là du coup. Donc sinon le Sonic qui se contrôle normalement hein. Je vais à gauche, il va à gauche, droite. Faut pas aller à droite pour qu'il aille à gauche inversement ou pas. Non hein. Ça il n'y a pas de problème là-dessus. Mais effectivement donc c'est en mode miroir. Alors je sais pas trop comment ils ont fait le truc. Parce que je pense pas qu'ils aient j'ai pas l'impression qu'ils auraient carrément modifié tous les niveaux pour prendre l'ensemble des objets des levels et hop foutre en miroir, je pense pas. Bah d'ailleurs c'est intéressant, c'est que là par exemple c'est écrit à l'endroit, c'est pas écrit à l'envers. Donc remarque je sais pas comment ils ont fait parce que c'est pas ah ça c'est à l'envers, attendez. Ah, il y a des choses qui sont à l'envers et des choses qui sont à l'endroit. Donc peut-être que le hacker a, ou le modeur a dû manuellement retourner des trucs pour qu'ils soient dans le bon sens, je sais pas. Parce que sinon peut-être que c'est... je sais pas, est-ce qu'il aurait plutôt fait un truc pour flipper la caméra, j'en sais rien du tout. C'est un poil perturbant sinon mais... Ah bah voilà, voilà, effectivement je retrouve dans la ville normale. Je vais essayer de faire ce bon vieil Emerald Coast, alors du coup ça doit être voilà à gauche. Donc effectivement hein, on voit l'hôtel de ce côté là plutôt. Ah oui, donc je devais dire quelque chose et puis je me suis auto-coupé. Vous avez peut-être remarqué hein, sur les dernières vidéos supposées être en 60 FPS, en tout cas en local, les 60 FPS étaient moyennement là. J'ai l'impression d'avoir résolu le problème, mais il faudra que je regarde quand même mes fichiers vidéo. Mais là, j'ai pas fait attention sur mes précédents enregistrements, mais disons que là, DXStory me dit... 60 FPS constant, que ce soit pour la partie vidéo ou pour le file. Donc j'ai peut-être résolu ce problème, parce que c'est vrai que on n'avait pas vraiment 60 FPS hein, sur les dernières vidéos, notamment de trucs de jeux en 3D que j'avais fait. C'était assez bizarre. Et pour ça, alors ce que j'ai fait, c'est que j'ai téléchargé la dernière version du codec X264. En fait, quand j'avais fait mon tuto sur DXStory, là, hein, c'est pour ceux qui l'auraient pas vu, c'est sur la chaîne Manga TD2 côté YouTube. J'ai fait une petite vidéo sur ma config de DXStory et j'avais mis un lien sur une version plus récente du codec que ce que j'utilisais en réalité. Du coup, j'ai mis à jour. Enfin, je suis même allé sur SourceForge plutôt que le lien que j'avais donné, donc j'ai peut-être une version encore plus récente, en fait, je suis pas sûr. J'aurais peut-être à la limite modifié le lien
sur le tuto d'ailleurs, parce que pour avoir le site officiel, autant aller sur la page SourceForge sur laquelle j'étais tout à l'heure quand j'étais échangé ça. Alors, mais j'ai fait ça, alors je... Peut-être que ça a aidé, mais je suis même pas sûr que le problème vient de là, parce que j'avais en plus changé un petit réglage. C'est le je sais plus quoi là que j'ai mis sur main au lieu de mettre sur automatique, un peu le même genre de d'options là sous OBS là. Donc je sais pas si c'est ça, en tout cas je sais que j'avais une vieille version de du codec, donc voilà quoi. Ah putain, j'ai l'impression d'être plus tard dans le niveau là. Ah non. Ah, essaye au moins d'aller là-bas, j'ai horreur de me taper le long chemin là sous l'eau. Non. Ah bah allez. Ah voilà. J'ai horreur de prendre le chemin du bas. Bref, si j'ai bien 60 fps constant sur mes fichiers vidéo là de DxStory, si j'aurais résolu ce problème, ça me cassait les pieds là depuis quelques temps. Je fais tout pour que vous ayez du beau 1080, 60 fps ou bordel, et puis il me fait un dos d'honneur. Comme je fais pas assez attention au numéro là-haut, moi je joue, hein, j'ai pas que ça à foutre. J'ai joué, j'essaye de commenter, donc... Bon bah voilà, mode miroir, quoi. Hein. Je vais peut-être montrer un autre niveau, et puis... avec un autre personnage, hein. Bon, du coup, je vais mettre en mode... voilà, le mode trial, c'est bien ce qui me semblait. Bon, les missions du tornado, je pense que ça change pas grand-chose. Alors, je sais pas, un niveau de Knuckles. Dans la mode précédente, j'ai pas vraiment pris Knuckles. Je crois que j'avais pas pris du tout. Parce que c'est pas... ça me semblait pas intéressant. Allez, hop. On va chercher les émeraudes dans le sens inverse un peu. This way. J'aurais peut-être dû faire le niveau tout rouge là, parce que je suis un peu plus habitué. Red Mountain là. Donc il y en avait un, voilà, par là c'était vert. Je me souvenais plus qu'il y avait un lion comme ça. Ah! Le lion, il est gourmand. Attendez, je vais peut-être l'avoir via ce ressort, voilà. Bon bah ça promet d'être rapide. L'avantage à la limite de ce niveau-là, c'est que c'est un espace assez fermé. Mais par contre, il y a plusieurs niveaux comme ça. Plus ou moins en haut, en bas, tout ça. Donc c'est quand même... faut bien ouvrir les yeux quand même d'une certaine manière malgré tout. Là par exemple, je me fais un peu troller là. Waouh, il est monté d'une façon un peu bizarre. Bon, ah attends. Ah, je dois descendre apparemment, tiens. Alors, est-ce que c'est plus par là ou... Non, je m'en éloigne, ouais, c'est bien ce qui me semblait. À vrai dire, peut-être que je dois descendre encore un peu. Ah, bah carrément même. On voit que le Sonic, il tient plus du Sonic classique, j'ai vu l'émeraude, hein. Mais j'ai envie de vous montrer un petit peu le Sonic là en or. Quoi, ouais. Encore que ces pics là, je trouve assez allongés quand même, hein. Par contre, ce qu'on voit, c'est les chaussures là, qui sont pas très rondes. Très dignes du modèle de la Dreamcast. Oula.
Donc j'ai vu l'émeraude, c'est là où il y a de l'eau là. Voilà. Du coup il reste là-dedans. Je prendrai lui pour avoir un niveau avec lequel j'ai un peu l'habitude. En fait j'ai fait plusieurs fois les niveaux de la démo B sur PC en fait, c'est pour ça. Donc c'est à Windy Valley. Voilà. C'est quoi pour tirer du coup? Ok. C'est le X. Voilà. Hop. Je me fais pas avoir. Hop. Je me suis sûr que j'ai bien un tout là. Pour avoir max de temps et sûrement de score d'ailleurs. Voilà. J'ai pas activé d'autres modes, hein, mis à part le cette prise en charge de la manette 360, là, la bonne prise en charge, le avec le X input, je sais plus quoi de l'un des modeurs. Je sais plus si c'est le un Sonic Frit quelque chose, je crois. Son solo finissait par 91, j'ai un doute. C'est marrant, c'est que quand on a ce niveau dans la démo, on sait même pas qu'on cherche un robot. Ah bon, là je me suis un peu baisé. C'est pas grave, de toute façon, c'est bon, j'ai du temps. Hein, Voilà. Hop, pas bête ça, on récupère les anneaux comme ça. Enfin le tout. Par contre c'est pas. C'est de ne pas se faire avoir. Ouais, il a fait un tour complet là, il a fait une roulade je crois. Et donc je le trouve pas différent du premier boss là, le tout noir. C'est le 101 je crois, le tout noir. En fait, c'est même plus facile parce que dans le tout noir, on était donc à l'Egg Carrière et l'espace était plus petit. Et là, à l'inverse, espace plus grand, donc j'ai plus le temps de le voir venir avec ses missiles, quoi. En plus, ses missiles, ils sont aussi lents que ceux que lance Bowser à Mario, quoi. Hein, je dis ça parce que je pense à un sketch de d'Orkly là. Bon voilà, j'ai pas envie de passer plus de temps là-dessus pour la vidéo parce que la précédente était très longue. On va se quitter là. Voilà, c'était tout simplement version mode miroir. Voilà, si ça vous amuse, ben essayez-le. Why not, tout simplement. Allez, je vais vous laisser là-dessus et la prochaine fois, donc, on va faire une autre mode pour un autre jeu Sonic et ce sera probablement d'ailleurs Sonic Generations. Du coup, je vous dis à la prochaine.